Salut tout le monde, m'espère que nous en forme. Encore une fois, nous retrouvons dans la vidéo ça pour nous capables de résoudre ensemble avec moi trois parties dans l'examen chimie ça que nous avons gardé là. Okay? C'est une chimie traditionnelle, mais pas inquiétez-nous de ça parce que chimie organique traditionnelle là, c'est même chimie organique pour nouveau secondaire. Là. Donc, à remarquer, première partie c'est complété. En tout, c'est 20 complétés que lié. Deuxième partie qui c'est 5 équations. Et puis, partie c'est à lui-même, nous avons remarqué, vous posez nous plusieurs questions là-dedans. Avant que nous passions dans la correction, laissez-moi vous abonner avec la chaîne là, si vous faites ça, like page hein, et puis partagez le lien. Nous démarrons pour la correction là, ok? Premier complété, on dit nous, l'élément caractéristique des composés organiques est sa combinaison avec l'hydrogène forme des substances appelées le carbure métallique qui, par hydrolyse, produit le méthane est, sa formule brute est, dans le composé de formule, le carbone central est de classe et de géométrie, l'oxydation ménagée d'un alcool primaire donne d'abord de l'eau et ce dernier peut s'oxyder à son tour en la neutralisation de l'acide acétique par la soude produit de l'eau et dont le nom usuel est en plus des réactions de destruction, les alcènes et les alcynes admettent des réactions car ils sont le réactif de chiffre est couramment utilisé pour distinguer d'une les deux isomères de fonction correspondant à la formule brute C2H2O se nomment et les hydrocarbures aromatiques sont mieux connus sous le nom de et le plus simple est le dans un excès de dioxygène, le méthane brûle suivant une combustion caractérisée par la production du là nous passons pour nous capables faire équation, ok? Première équation nous te dit carbure de calcium plus eau. Donc carbure de calcium gagne pour formule brute CaC2. Donc nous connaissons de l'eau c'est H2O. Vraiment non équation ça lui-même ou bien dire nous dit non que nous te kenon bali c'est hydrolyse du carbure de calcium, ok? Équation ça lui permet nous préparer acétylène qui c'est C2H2 plus CaOH qui c'est chaud éteint ou bien on va dire hydroxyde de calcium. Donc puisque on te dit nous balancer et équilibrer, donc faut nous équilibrer l'équation. S'il était tout équilibré, nous tape juste tout quitter. Donc là pour l'équilibrer, c'est de la droite vers la gauche, OK? Donc, là me gagne deux carbone et là aussi moi gagne deux, donc c'est bien. N'a pas équilibré hydrogène qu'on a. Là me gagne deux hydrogène, OK? Gagne deux. Et là aussi, moi j'ai deux hydrogènes. Deux ça, li pour O, en même temps tout, li pour H. Là, j'ai deux hydrogènes et moi j'ai deux oxygènes aussi. Et bien là, dans le bord gauche là, moi j'ai seulement deux hydrogènes. Donc, pour me joindre l'équivalent là, parce que c'est 2 plus 2, ça fait 4, je vais ajouter 2 devant ça là. Deux ça, lui-même, c'est coefficient. Li pour hydrogène et aussi li pour oxygène. Automatiquement, nous équilibrer hydrogène là, oxygène là aussi, tout équilibré. Là, je gagne 2 oxygènes et là, c'est 2 oxygènes. Deuxième équation, te dit nous, acide acétique plus zinc. Ok? Ça, c'est formule semi-développé acide acétique et puis zinc. Donc, équation ça lui-même, pour hydrogène là, ok? L'a dégagé. Je gagne gaz là qui a dégagé. Zinc prend place hydrogène là, mais pas oublier valence zinc C2. Donc, je gagne échange des valences qui a fait entre partie ça, ok? Et puis zinc, c'est-à-dire nous gagnons CH3 simple liaison COO entre parenthèses puis deux fois Zn plus H2 dégagé.
équation nous là li pas équilibré, faut nous équilibrer. Si par exemple on a fait hydrogène ça pas là encore, donc groupement ça n'a pas gagné un seul là et puis dans partie ça n'a pas c'est deux qui gagne. OK, n'a pas gagné deux. Donc m'a pas ajouté deux devant acide acétique là. OK. Qu'on y a là, m'vin gagner 4 carbone. OK, puisque m'te gagné 2 déjà, m'ajouter 2. Donc ça vient faire 4. M'vin gagner 8 hydrogène parce que 2 fois 3 pas 6 et m'gagne 2 grains ça encore, ça fait 8. OK. Ion ZN, ion ZN et lorsque m'on contrôle 2 fois 3 ça, bam 6 et plus 2 ça, ça fait 8 hydrogène. Qu'on y a équation là équilibré. Avant moi faire équation ça, qui t'aime dit nous sous channel là gagne une vidéo top 22 équation chimie, OK, que ministère là lire même bail. Donc on t'a bien aimé pour nous regarder. On t'a bien aimé pour nous regarder parce que il est très important, il y a en pile bagaille là-dedans, OK? C'est pas seulement équation qui résout mais il y a une théorie là-dedans et explication qui très concret. Éthanol plus d'hydrogène là, OK? Son équation qui très facile, il gagne une théorie lui-même. Donc c'est que hydrogénation. Lorsque vous parlez de hydrogénation, c'est addition d'hydrogène que vous faites sur un corps. Donc, hydrogénation de yon aldéhyde, puisque éthanol c'est un aldéhyde, hydrogénation de yon aldéhyde, puis bah yon alcool primaire. Okay? C'est-à-dire que j'ai toujours gagné le même nombre de carbone que j'ai là, sauf que je vais ajouter H2A. Donc, je vais gagner CH3, simple liaison, CH2OH. Eh bien, hydrogénation de éthanol, li bay éthanol, OK, ça c'est éthanol qui là. Pas oublier, on dit nous hydrogénation de yon aldéhyde li bay yon alcool primaire. Benzoate de sodium plus soude. Okay. Benzoate de sodium là, ça c'est formule semi-développée et puis soude là lui-même c'est NaOH ou bien hydroxyde de sodium. Équation ça, c'est une équation qui permet tout préparer benzène. OK? Donc, grain hydrogène ça qui là, il va venir joindre l'autre 5 là pour finir faire benzène. C'est-à-dire, ma vin gagne C6H6. OK? Plus, et puis tout reste quoi qui rete yo, ma fait au fond seul. Ma prend sodium ça avec sodium ça, qui va le faire 2. OK? Green carbone qui m'a rete yo. Et puis, 1, 2, 3 oxygène. Donc, O3. OK? Éthylène plus dioxygène. Nous avons remarqué. Éthylène plus dioxygène. Nous avons remarqué pour l'équation ça, vous mettez combustion complète. C'est-à-dire, il y a l'autre combustion toujours. Il y a combustion semi-complète, il y a combustion incomplète. Donc là, vous précisez pour nous que c'est combustion complète. Si vous ne mettez pas combustion complète, vous devez mettre C.C. OK? Une combustion complète, il produit gaz carbonique, qui c'est CO2 plus de l'eau. Donc, il produit chaleur tout, OK? Donc, nous avons mis delta. En chimie, nous désignons chaleur par delta. Mais chaleur, il y a une quantité que l'on dégage en kilocalories. Nous allons équilibrer l'équation. Okay? Là, pas oublier, c'est de la droite vers la gauche. Là, nous avons un carbone. Là, nous avons deux. Je vais ajouter deux là. Okay? Automatiquement, je vais ajouter deux. Nous allons passer avec quatre oxygènes. Okay? Parce que deux fois deux, même quatre. Pas jamais équilibrer oxygène avant hydrogène. Dans la combustion complète là. Sinon, l'équation a gâté dans mon. On a équilibré hydrogène avant. OK? Pas équilibré oxygène avant. Là, on gagne 4, là, on gagne 2. On va ajouter 2 là. OK? 2 fois 2, bam 4. Là, on a, on vient gagner 2 oxygène plus 4 oxygène ça, ça fait 6. Donc, on va mettre ton valeur là. 3 fois 2, pour moins 6. Donc, là, l'équation ça, est équilibrée. Parti, c'est à lui-même. C'est comme si on te demandait nous mode de préparation qui j'ai que nous capable de joindre tel corps par rapport avec tel corps. Donc là, premier ça on te demandé nous, on te dit nous qui j'ai que nous capable de joindre méthane à partir carbure d'aluminium par hydrolysation. OK, on mettait là, c'est par hydrolysation. Et puis on te dit nous pour nous mettre équation aussi. Donc nous va faire équation. Donc équation ça lui permet de préparer méthane plus hydroxyde d'aluminium. 3 fois. Qu'on y a nous pas équilibré. Là, moi gagne un seul carbone et là moi gagne 3. Donc, on obligé mettre 3 là. Automatiquement mettre 3 là, moi passer avec 12 hydrogène. Pour équation pas gâter, n'a équilibré aluminium avant. Donc, là moi gagne un aluminium et là moi gagne 4. Donc, mettez 4 là.
kounya m'ap capable équilibrer hydrogène avec oxygène. Donc à noter que 4 là il pour tout, c'est-à-dire avant moi t'ai gagné 3 hydrogène et moi t'ai gagné 3 oxygène. Kounya puisque mettez 4 là comme coefficient, la multiplier 3, 4 fois 3 va ben 12, c'est-à-dire m'ai gagné 12 hydrogène, 12 oxygène. Et déjà moi t'ai gagné 12 hydrogène là, ça fait 24. Là, moi, j'ai seulement 2. Seule façon pour m'ajouter 24 là, c'est ajouter 12. Et automatiquement, moi, j'ai gagné 12 oxygène. Équation équilibrée. Petit bien, te dis nous, par qui moyen pour nous joindre acétylène à partir du méthane. Donc, c'est par craquage vers 1500. Donc, craquage du méthane, ça produit deux gaz. Premier gaz, c'est acétylène et puis dihydrogène. C'est-à-dire, C2H2 plus H2 dégagé. OK? Donc, on y a automatiquement fin fait ça, faut moi équilibrer l'équation là. Là moi gagne 2 carbone. Là moi gagne 1, à obligé ajouter 2 comme coefficient. Automatiquement là, moi vin gagne 8 hydrogène. 2 fois 4 qui ban 8. Là moi gagne seulement 4. On pas qu'à équilibrer devant acétylène parce que carbone là a augmenté. M'a équilibrer devant hydrogène. Faut moi mettre une valeur là lorsque moi multiplier le par 2 et puis m'ajouter 2 sous lui, cap ban moins 8. Et valeur moyenne, il pas l'autre que 3. Parce que 3 fois 2, ça baille 6. 6 plus 2, ça donne 8. Donc, équation là, il est équilibré. Pour dernière équation, je te dis nous comment qu'on est capable de jouer chlorure de vinyle à partir de l'acétylène. Donc, là, moi, je prends une formule semi-développée acétylène. Ok? Je vais additionner chlorure d'hydrogène sous lit. Ok? Réaction ça, c'est une réaction d'addition. Donc, si nous besoin de plus de détails des réactions sérieuses, pas négliger à garder top 22 équations chimiques sous channel là. Donc, une réaction addition, c'est une réaction qui permet de briser une ou bien plusieurs liaisons pi. Ok? Une triple liaison, il y a deux liaisons pi et puis une liaison sigma. Donc, là, m'a brisé une liaison pi. Ok? Hydrogène là, il va briser une liaison pi. Donc, la vient tomber sous premier carbone. Qui fait m'a gagné CH2 double liaison CH, ok? Puisque il y a une liaison brisée, c'est double liaison mouettée, CH et puis chloa CL, ok? Quand ça relève chlorure de vinyle, groupement CH2A, ok? Groupement CH2, CH, point, ça fait mettre point, c'est parce que il y a un électron qui libre sous carbone là, carbone là n'est pas saturé. Groupement ça relève vinyle, il dit chlorure de vinyle. Numéro 2 dans partie C1, il parle nous de hydratation. OK, il parle nous de hydratation du propène. Donc ça c'est formule semi-développé propène. Donc faut que nous connaissons que hydratation de yon alcène, li baille yon alcool. OK? Alcool là capable primaire, comme ça tout capable secondaire. Donc dans cas ça là, m'a gagné du alcool puisque te dit yon alcool A et puis yon alcool B. Donc n'a baille formule semi-développé. Chaque grain alcool ça yo et puis n'a baille non yo. Donc, nous avons connu, puisque m'a fait hydratation, c'est de l'eau m'a pas ajouté. Si la bombe yon alcool primaire, m'a toujours gagné 3 carbones. Donc, c'est CH3, simple liaison, CH2, simple liaison, CH2, OH. OK? Hydratation du propène, la bombe moins propanol. OK? Donc, là, lui-même, ça c'est alcool. Parce que, groupement fonctionnel là, li attaché avec yon carbone primaire. OK? Deuxième alcool li capable ban mwen, c'est alcool secondaire là. Et même la CH3 simple liaison CH O H liaison CH3. OK? Donc li même c'est primaire et ça c'est secondaire. Li secondaire parce que groupement fonctionnel là li attaché avec yon carbone secondaire. Donc, j'espère que nous comptons classe carbone bien. Donc, il faut que nous comptons classe carbone bien pour nous capables de connaître classe alcool aussi. Après, je te dis nous pour nous capables de bailler non. Ok? Donc, pour nous bailler non, premier bagage pour faire, il faut identifier combien de carbone nous gagnons. Normalement, nous gagnons 3 carbones. Donc, là, pour premier, on dit prop. Nous connaissons lorsque nous gagnons 3 carbones, nous gagnons préfixe prop. Et là, moi, j'ai seulement simple liaison. Donc, m'a gagné terminaison. An, mais m'a retiré un,
puisque moi gagne groupement fonctionnel alcool là l'a terminé par ol ou par nol et puis m'a identifié sous qui carbone groupement fonctionnel là li tombé normalement là li tombé sous premier carbone là et il n'a dit propanol 1 ou bien ka écrit tout propane 1 ol OK et là lui même il toujours gagne 3 carbone n'a dit c'est propane nol 2 parce que groupement fonctionnel moyen il tombé sous deuxième carbone là normalement si m'a contrôlé m'a fait 1 2 3 donc et là lui même si m'a contrôlé pour chaîne carbone ça m'a fait 1 2 3 ou supposé commencer contrôler sous indice qui plus bas pour joindre groupement fonctionnel là si m'a de écrire ça comme ça aussi m'a venir à écrire propane 2 ol OK et puis après ça yo te mande nou qui est dans deux alcool ça yo qui majoritaire majoritaire là c'est alcool secondaire là OK majoritaire là c'est alcool secondaire là et alcool primaire là lui-même lui minoritaire moi te content ensemble avec nous j'espère vidéo fait nous plaisir pas négliger partager liker et puis abonner avec channel là pour nous pas